Je connais un endroit qui pourrait renfermer un trésor utile. Bon, ce plan que tu as... Tu l'as deviné. Te connaissant, il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer ? Est-ce qu'on va entrer dans ce bâtiment ? Oui. Tu crois qu'on trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à atteindre la pointe du burin ? Non. Je continue à chercher. Concentre-toi ! Mimir, tu connaissais cet endroit ? Avant ? Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Vous venez faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux ? Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor.
Notre cristal, t'as qu'un mot à dire. Et maintenant. Presque. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment ? Alors que ce qu'on cherche est tout en bas. Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien.
Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du Buran ? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Et maintenant ? Accroche-toi. Ce plan ne me dit rien qui va. Silence, bête. Saute. Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. Le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'atteindre ? On ne peut pas. Atreus. Qu'est-ce qui est écrit ? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. C'est à l'envers. Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver ? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais, celle-là. Hiver ! Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. Compris. Fais-le. Var, Haust, Wetter, Sumar. C'était pas ça. Et c'est ça. Wetter, Haust, Sumar, Haust. Toujours rien. Atreus, quel est l'ordre de la chanson déjà ? Hiver, printemps, été, automne. Vas-y. Haust, Sumar, Var, Wetter. Atreus, ce mot. Fola, ça veut dire résiste. Essaie. Fola. Bien joué, petit. Écris-le encore.
Continue. Tête, comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les vieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient? Ils le font plus? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur croc. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps filer. Avant que le sol s'effondre. Oh!
Bon travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours aigri. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager ? Poussez. Mais... Et confiance. Ouais. Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Comment on descend ? On saute. Vraiment ? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Je te tiens. Tu es malade, tu le sais, ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. La pointe du burin. Laisse-le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde.